Il est catastrophique, ce pantalon. Oh, je suis stressé pour le début de cette vidéo. J'ai vraiment envie d'être bon et de progresser dans le dessin. C'est le thème de cette vidéo, ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Souvenez-vous, en 2014, j'avais fait dans quelques vidéos des dessins, enfin chaque année en réalité. Je fais toujours une vidéo qui tourne un peu autour du dessin, sauf que je me concentre plus sur faire des blagues, etc. pour la vidéo que sur le dessin. Pour ceux qui n'avaient pas vu ces vidéos-là à l'époque et qui sont sur la chaîne depuis peu de temps, je vous fais un petit débrief. Mon père est quelqu'un qui adore la photo, la vidéo et le dessin, et qui est bon dans les trois. Et lorsqu'il a eu deux enfants, il a décidé de donner 100% de son gène du dessin à mon frère, Florent. Ça se voit, regardez, c'est plutôt joli. J'ai toujours eu énormément d'admiration pour ceux qui savent dessiner, parce que je comprends vraiment pas du tout comment c'est possible et comment ça marche et comment vous faites en fait. Il y en a même, ils font des dessins photoréalistes. Photoréalistes avec une feuille et un crayon. Ça me troue le cul, je suis désolé. On a de la chance, on vit dans une époque où il y a beaucoup de progrès techniques, etc. Et où il y a l'accès au savoir, la facilité grâce à internet. Il y a toutes les infos du monde, tout ce dont on a besoin sur internet pour apprendre les bases d'un milieu, y compris les bases du dessin. Aujourd'hui, je vais suivre les tutos nouvelle génération, la pointe de la pointe en tuto, qui sont sortis en 2019 et aussi en 2018, des tutos vraiment où c'est quelqu'un qui t'explique de A à Z comment faire. Il y a même des petits tutos qui sont sortis pour apprendre en 20 secondes, en quelques traits, à faire un truc super bien. Incroyable! Aujourd'hui, je fais le pas avec vous d'essayer de débloquer ce problème, d'essayer de débloquer quelque chose. J'ai quelques tutos sous la main, je vais les suivre devant vous. Ça peut être méga chiant, je sais pas, cette vidéo, mais j'avais envie de la faire. Voilà, soyez indulgents, encouragez-moi. Merci, ça m'a beaucoup motivé, allons-y. Premier tuto, celui-là il a archi tourné, il m'a fait rire parce que quand je vois, je suis tellement nul que quand je vois un tuto pour dessiner, je me sens offensé. J'ai l'impression que la personne est arrogante avec moi, qu'elle me prend de haut. C'est chaud quand même, comme je suis sur la défensive vis-à-vis de ça. C'est un vrai complexe, qu'on soit clair. Ici, c'est un tutoriel pour dessiner une main en 15 secondes, et genre une main vraiment belle. Mais quel culot de faire ça. Apprenez à dessiner une main en 15 secondes. Bande de gros nuls, regardez, c'est simple. Arrêtez d'être arrogants là, les dessinateurs. Allez, j'y vais. Mec, ça ressemble à, tu sais, la plante des fois qu'il y a dans les champs. Mais pas du tout à une main, mais c'est normal, il manque des traits. Ok, ensuite tu relis tout. Déjà, pourquoi il y a de l'air entre les traits? J'ai pas du tout respecté. Là, il y a un trait qui va là, comme ça. Et là, les deux paumes doivent se rejoindre avec le trait qui part d'ici. Et ça fait le bas de la main. Oh. Oh non, oh, j'ai envie de pleurer. Ça me fait vraiment bizarre parce que vous savez, quand vous sortez d'un contrôle et que vous vous dites putain, j'ai bien géré, je suis content, j'ai réussi, et que quand on vous rend la copie vous avez 4 sur 20, bah c'est exactement ce que je viens de vivre en suivant ce tuto. Mais j'ai un problème de géométrie dans mon cerveau. J'ai même pas de comparaison à faire avec un truc qui existe. C'est bel et bien une main, mais le problème c'est qu'elle a une jambe. Le problème c'est qu'elle a une putain de jambe. Regardez, si je fais un pied, on y croit totalement. Regardez, je lui ai rajouté une chaussure, ça fait vraiment une main qui a un pied. Dessin suivant. Bon, là c'était une petite mise en bouche. Vous savez, c'est comme quand tu vas au restaurant et qu'on te sert un petit appetizer que t'as pas demandé. C'est cadeau, c'est gratuit, ça tombe sur le coin du nez, puis t'es content quoi. Là, messieurs dames, on s'attaque à un vrai délire. Nous allons apprendre à dessiner un œil. Déjà, avant de voir le tuto, je vous montre comment moi je fais un œil. Donc, commencez par faire le sourcil. Voilà, rien de compliqué. Moi, comme j'ai appris à l'époque, donc c'était il y a très longtemps, c'était environ il y a 18 ans. C'est, tu fais un rond. Bon, après, c'est un œil en mode manga, hein, c'est pas réaliste. Et après, en fait, ce que je faisais, c'est je faisais des ronds, comme ça. Comme s'il y avait des reflets dans l'œil. Et là, en fait, je colorais autour. Ça se trouve, j'ai déjà fait dans une vidéo et j'ai totalement oublié en raison de mes problèmes de mémoire. C'est totalement possible. Et voilà! Et là, on a un œil. Une note pour l'œil de Squeezos. Regardez, je l'applique sur moi maintenant, vous voyez pas la différence. Bang! Allez, regardons ce tuto de merde là. Ça va encore être un truc qui m'énerve. Oui, je vais faire ça, t'as raison. T'as raison, le tuto il va se terminer, je vais montrer la feuille, il y aura ça dessus. C'est bon pour vous? Préférez lequel? Je connais la réponse. Ok. Étape 1, un rond pas ouf, c'est parti. Pas mal mon rond à main levée, en réalité. Étape 2, le deuxième rond pas ouf. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Pourquoi? Je vais simplement me mettre tous les dessinateurs de France à dos. Ok, troisième étape. Ok, en bas. Bon bah à l'ancienne, hein, j'ai oublié ma règle. Qu'est-ce que je fais? J'utilise ça. Okay. Je vous jure, je m'applique vraiment, je fais pas des blagues genre. C'est un vrai cours de dessin en vidéo, c'est plutôt chiant. Mais au moins dites-vous que moi là ce que je dessine, vous pouvez atteindre ce résultat. Parce que vous êtes probablement meilleur que moi. Mec, je suis un truc. Mec, je suis sur un truc. Mec, je peux plus arrêter de montrer. Je suis sur un truc de ouf. Il est bien calculé. Mec. Oh non, il passe pas assez près de l'œil. Non. Bon bah au moins il y a des hauts et des bas dans cette vidéo.
allez encore trop loin. Je refais pour corriger ce qui n'allait pas. Et c'est la même chose qui ne va pas. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est pas parfait, mais ça va. Ok, la suite. Eh, ça vous dit pas un truc, ça? Vous avez pas l'impression qu'elle a copié de quelqu'un, ce truc-là? On dirait bien que les grands esprits se rencontrent. Donc là, je dois remplir ça, ok. Allez. Ok, donc des petits bâtons de forme irrégulière tout autour de l'œil. Ça a l'air très très dur. Par contre, attends, ça fait tout, mec. C'est l'iris, quoi. Ça fait tout. Ok, je crois, ouais, la technique, j'ai compris, c'est... Un grand. Plus petit, un grand. Plus petit, plus petit. Irrégulier. En tout cas, je vous le dis, je m'applique. Là, c'est vraiment pas genre, je veux pas faire un truc dégueulasse volontairement pour être drôle, je veux vraiment faire un beau truc. Pour montrer que finalement, le dessin est un art accessible à tous et à toutes. Ah ouais, ok. Mec, j'ai pas de coton-tige. Attends, je vais appeler Lorraine. Allô ? Ouais, il me faut un coton-tige pour faire l'œil là. Il te faut un coton-tige pour faire l'œil ? Ouais, c'est du dessin, mais il faut des outils de make-up. Cette demande n'a aucun sens. Mais il me faut un coton-tige ! En tout cas, n'hésitez pas à appeler Lorraine quand vous avez besoin d'un truc. Elle m'a aidé, elle m'a dit bah, prends du PQ et mets-le au bout d'un crayon. Allez. Putain, c'est tellement de stress pour un si petit truc, quoi. Pour un œil, tu sais, c'est même pas un vrai dessin, c'est un œil. Il y a juste l'œil, mec. Le problème de ça, c'est tout le problème de moi et du dessin, c'est qu'il faut être hyper précis dans ce qu'on fait. Pour pas en foutre partout, pour que ce soit raccord, que ce soit joli. Mais moi, c'est pas ce que je propose dans la vie. Ok, c'est pas mal. Les gens disent ce qu'ils veulent, mais c'est pas mal en soi. Oh putain, un nouveau trait, c'est quoi ça? Oh, c'est les cils. Oh, j'ai l'impression de revivre le truc des doigts. On dirait qu'elle fait les doigts de l'autre tuto. Faut pas qu'ils aillent exactement dans le même sens. Faut qu'il y en ait un qui soit un peu plus comme ça. Un qui soit un peu plus comme ça. Un qui soit un peu plus comme ça. Ça y est, c'est bon, je commence à comprendre. Mais non, mais là, les galeries d'art sont pas prêtes. Oh, c'est beau. Si j'arrive à faire ça, ça va tout rattraper. Attends. Oh, c'est bon. L'effet marche. Putain, j'ai la pression parce que je sais que là je peux tout gâcher au moindre truc. Là franchement mec, regarde à côté de moi. On se rend encore plus compte de la beauté du dessin. Je suis vraiment content. Ok mec, c'est pas mal, c'est pas mal. Oh putain le sourcil. Alors là, c'est pas le moment de tout gâcher. Moi je vais vous dire, c'est pas du tout le moment de tout gâcher avec le sourcil. Je sais que vous êtes pris par la vidéo comme devant un bon match de foot, vous savez. Vous dites, waouh, mais qu'est-ce qui va se passer? Quel rebondissement va encore y avoir? Quelle est la prochaine étape? Et lui va-t-il réussir l'étape? Enfin, je sais que vous êtes dedans. Ou peut-être que je dis ça pour me rassurer parce que je doute sur la qualité de ma vidéo. C'est possible aussi. Non mec, mec, j'ai géré la forme, j'ai content. Ok, bam, 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 les petits traits au-dessus. Ok, on met l'épaisseur. C'est la mode en plus, les sourcils imposants. Hop là, j'ai fini avant toi. La pire manière de suivre un tuto. Attends, non, 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 attends, il y a juste un truc qui va pas. Vous en faites pas, vous en faites pas. J'aurais jamais dû faire ça. Ah si, ça marche. Waouh. Je crois que j'ai fini, mec. Alors, je vous assure que ça me fait une petite émotion. Messieurs, dames, voici mon œil après 1h04 de travail précisément. J'aurais pas dû dire le temps que j'ai mis à le faire. C'était une vraie heure parce que les gens se sont dit 1 heure, c'est énorme 1 heure. On fait des dissertations en 1 heure. Quoique non, ça fait longtemps que je suis pas allé à l'école, effectivement. Allez, vous me donnez ma petite note. Soyez francs, oubliez pas. Même si je suis susceptible et que ça risque de me vexer grandement si vous me notez mal. Bon, voilà, je peux vous influencer après. Notez. Bon, on sait faire une main. On sait faire un œil. Est-ce qu'il est pas temps maintenant de dessiner le rêve de toute personne? Un Shiba Inu. Boum. Allez, en réalité, je pars, j'ai des trucs à faire, mais je reviens demain et je fais un Shiba. Et vous savez pourquoi c'est bien? Parce que la nuit porte conseil. Allez, à demain pour l'épreuve finale. Deux semaines sont passées avant que je me décide à tourner la suite de la vidéo. Et vous savez pourquoi? Parce que j'appréhende beaucoup, beaucoup, beaucoup la suite. Mon hâte, j'espère te faire honneur en dessinant un petit Shiba. Et nous pourrons le comparer ensuite directement au modèle ici présent. Are you ready? Because I am. Allez, on y va. Première étape, faites 4 petites marques pour indiquer la largeur et hauteur des cercles. Moi, je suis bon en cercle, on l'a vu hein, pour l'œil. Je suis assez bon en cercle, donc je m'en fais pas. Ah ok, faut les faire assez collés, parce que sinon le Shiba, il aura un trop grand corps. Vous sentez arriver, vous sentez l'erreur arriver. Allez, vas-y, j'y vais. Ouais, c'est pas ouf, celui-là il est pas ouf. Oh putain, j'avais oublié la gomme. Je passe mon temps à gommer, c'est infernal. Vas-y mec, je vais faire les cercles sans faire ce qu'il a dit, c'est débile. Il a vraiment pas de talent lui pour faire des marqueurs avant de faire un cercle. Qui a vraiment besoin de ça? Tous les bons dessinateurs on fait pas comme ça déjà. Donc regarde, je te montre comment on fait un cercle mon pote et tu me dis ce que t'en penses. Voilà, et de 1. Allez, deuxième un peu plus petit et collé. Parfait,
Voilà. Ah, les petits marqueurs, ça sert à rien. Écoutez les conseils de Squeezie. Sur le haut, faites un autre cercle pour la tête. Eh mec, ça y est, je suis en train de kiffer. Il a fallu juste que je me remette dedans, je suis en train de kiffer. Ok, troisième cercle fait. Pour le moment, on a une sorte de Mickey décapité, mais ça va devenir un Shiba. Étape 5, faites un petit cercle et on l'utilisera comme guide pour le museau. Ah, ok. Il est bien, il est bien, il est bien. Alors, en haut de la tête, dessinez deux petits triangles. Ouais, c'est les oreilles, quoi. Bah, c'est vraiment des patates. Elles sont vraiment beaucoup trop rondes aux extrémités. J'en ai marre. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. C'est pas mal. Allez, on avance. En dessous le cercle, sur la gauche, faites un dessin avec deux grandes lignes pour faire le devant des pattes, ok. Donc là, en fait, on est en train de, finalement de faire tout ce qui va être relié aux proportions. C'est rigolo ce truc de faire juste ça pour avoir toutes les proportions nickel et ensuite mettre les détails. C'est marrant, hein. Eh mec, il y a un bon début de Shiba, hein. Eh. Allez, sois pas deg. Est-ce que toi, t'as fait un Shiba avec ces proportions-là? Les tiennes étaient bien meilleures. Alors on a fini pour les lignes qui vont nous guider. Ah waouh. Alors ils ont les yeux en amande, hein. C'est pas des ronds normalement, mais bon c'est pas grave, je t'en mets pas. D'un coup ça devient si dur, what the fuck. C'est trop dur, j'ai visé trop mec, c'est trop dur. Oh non, ça y est, il y a une paire de morale. Il y a une paire de morale du côté du dessinateur français. Non mais regarde les détails, non ça me saoule ça les p'tits... En fait ce qui me saoule c'est quand... Ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Faisons tous un effort, d'accord. Je vais vous demander qu'on fasse tous un effort. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Il va être pas mal, attends, je vous prends un peu confiance. Je suis en train d'y arriver. Il va être magnifique ce Shiba. Il va être magnifique, je vous le dis. Étape 15. Allez, on arrive à la moitié, on arrive à la moitié. Les oreilles, vous voyez, je suis plus oreille que yeux, moi, vous voyez. Ça se voit, hein. Ok. Ok. La tête de mon Shiba. Ah, ça fait mal. Non, je m'en fous, j'irai au bout, je m'en fous, hein. Je m'en fous, j'irai au bout, mais c'est dur, quoi. En fait, c'est, je suis en train de me rendre compte, je suis en train de faire une vidéo pas du tout satisfaisante. Je suis en train de faire une vidéo horriblement peu satisfaisante. Je m'en excuse. Attends, attends, je suis en train de reprendre confiance. Je pense que mon Shiba, il va pas être si mal. Mon Shiba, il va pas être si mal, je vous le dis. Soyez pas deg. Pour le faire fluffy, là, les petits traits comme ça, pour montrer qu'il est tout fluffy, tout mimi. Ensuite, il y a ses petites griffes. Ouais, il y a une patte mieux faite que l'autre, mais c'est pas grave. Il peut s'être blessé à la patte en allant à la chasse, par exemple. On passe à la queue. Oh putain, la queue, mec. Là, je veux faire honneur à Natsu. Pour toi, c'est pour toi, Natsu. La queue, là, bien fluffy, bien mignonne là, qui convainc l'acheteur de Shiba d'acheter le Shiba. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Elle est belle, c'est une belle queue. Bon, messieurs dames, après avoir effacé les lignes de départ et retouché ce qu'il fallait. Attendez, je fais un discours mais je suis pas prêt. Attendez, j'arrive, hein. Nous obtenons ceci. Vous savez pourquoi il vous plaît pas? Parce qu'il n'y a pas les ombrages. On va les faire maintenant et vous allez voir, ça va tout changer. Messieurs, dames, le résultat après ombrage est assez spectaculaire. 50 minutes pour ça! Il a la tête que vous faites en ce moment même en découvrant le résultat. Je sais pas comment j'ai fait pour passer de ça à ça. Ça n'a pas de sens. Les amis, c'est la fin de cette vidéo dessin. J'espère avant tout qu'elle vous a plu. Je vous avoue m'être vraiment étonné sur cet œil. Réellement, j'en suis fier au premier degré. Je suis vraiment content du résultat. En fait, j'ai repoussé beaucoup, beaucoup, beaucoup le tournage de la suite de la vidéo parce que je savais que le Shiba, ça allait être une step supérieure. Lui, le gars, il a un trait, au moins l'ombrage, mec, c'est gribouillis, c'est dégueulasse. Lui, la personne là, elle a tellement géré les ombrages, c'est tellement beau. Bref, voilà, voilà, je vous fais un débrief sur juste une énorme merde qui veut se mettre au dessin et un mec qui dessine bien. Après, je pense que tous les gens qui dessinent extrêmement bien aujourd'hui sont passés par cette étape. Sauf qu'ils avaient peut-être pas 23 ans. Et c'est ça qui fait mal. J'espère en tout cas, à défaut d'avoir réussi à faire de beaux dessins, que j'ai réussi à vous divertir dans cette vidéo. J'aurais vraiment tout donné dans cette vidéo, mais je pense de toute manière que c'est le travail qui paye et que si j'essayais de faire ça tous les jours ou plusieurs fois par semaine, bah au bout de quelques années, j'arriverai à avoir un petit level en dessin. N'hésitez pas à suivre les mêmes tutos que moi, je mettrai les deux liens en description. Et à m'envoyer une photo du résultat sur Twitter. Allez, à bientôt. Merci tout le monde. Je vais encadrer cet œil et déchirer le Shiba. Attendez. Attendez. Ce n'est absolument pas comparable, pardon. Allez, à bientôt. Quel échec.